Bienvenue dans ce petit tuto de démarrage rapide du Tiger F5 dans DCS. Alors cet avion ne peut pas démarrer tout seul, contrairement à certains autres. Il lui faut impérativement le soutien d'une équipe au sol avec un compresseur qui vient injecter de l'air comprimé dans les moteurs. On va commencer tout de suite par les appeler pour gagner du temps. Donc on appuie sur la petite touche à côté de Return. Ensuite F8. Après source pneumatique au sol, F5. Après F1 connecté. Pendant qu'il se connecte, on va commencer à enclencher quelques boutons. Donc la batterie, la génératrice gauche, la génératrice droite, et on va aussi se mettre l'oxygène, sinon on tombe dans les pommes à haute altitude. Ensuite, on va mettre les pompes à essence. Maintenant que c'est connecté, on va réappuyer sur la touche à côté de Return pour parler à notre équipe au sol. Ensuite F5 et on leur demande d'appliquer F3, d'envoyer de l'air comprimé dans le premier réacteur. On va voir l'air arriver dans ce manomètre ici. Quand l'aiguille a franchi 10, ça veut dire qu'on peut commencer à démarrer le moteur. Mais d'abord, il va falloir débloquer cette manette de sa position arrêt en appuyant sur Alt droit Home. Et là maintenant on est en position démarrage. On va appuyer sur le starter. Et là le moteur démarre. Maintenant que c'est fait, on va rappeler l'équipe au sol à nouveau. F8, F5 et appliquer F3. Et là, ils vont automatiquement appliquer l'air comprimé dans le moteur de droit. Il n'y a pas besoin de leur dire de changer. Voilà, une fois qu'on est à 10, on peut débloquer la manette des gaz en faisant Shift Home et ensuite le starter. Et là, les tours commencent à monter. On est quasiment prêt à décoller. Théoriquement, on pourrait déjà décoller là, mais on va encore peaufiner un petit peu et allumer tout ce qui permet d'équilibrer l'avion en vol. On va en avoir besoin. Et puis là, ben, vous êtes prêt à partir. On peut mettre les gaz. Voilà, j'espère que ça aurait été concis, rapide et efficace. Amusez-vous bien, à bientôt.